Daniel 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations et langues qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu souverain a fait en ma faveur. Que ces signes sont grands et ces prodiges pleins de force. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. J'eus un songe qui m'épouvanta et mes pensées sur ma couche et les visions de ma tête me troublèrent. Et de ma part, ordre fut donné de faire venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'interprétation du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur dis le songe, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Et à la fin, Daniel, qui est nommé Belshazzar, selon le nom de mon Dieu, et en qui l'Esprit des dieux saints se présenta devant moi, et je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, comme je sais que l'Esprit des dieux saints est en toi et que nul secret ne t'est difficile, dis-moi les visions que j'ai eues en songe et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de ma tête sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort et sa cime touchait aux cieux. Il me voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Il y avait sur lui de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui et les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches et de lui se nourrissait toute chair. Je regardais dans les visions de ma tête, sur ma couche, et voici un des saints qui veille descendit du ciel. Il cria à haute voix et parla ainsi, « Coupez l'arbre et les branchez, abattez son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois, laissez en terre le tronc de ses racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'avec les animaux il ait sa portion de l'herbe de la terre. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passent sur lui. » La sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut et qu'il lui élève le plus abject des hommes. Quel est le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar? Toi donc, Belshazzar, donne-en l'interprétation puisque aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner. Mais pour toi, tu le peux, car l'Esprit des dieux saints est en toi. Alors Daniel, qui est nommé Belshazzar, demeura un instant stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi prit la parole et dit, « Belshazzar, que le songe et l'interprétation ne te troublent pas. » Belshazzar répondit et dit, « Monseigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et sa signification pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort
et dont la cime touchait aux cieux et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui avait de la nourriture pour tous, sous lequel les bêtes des champs demeuraient et dans les branches duquel se tenaient les oiseaux du ciel, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à ce que le roi a vu, un des saints qui veille descendre du ciel en disant « Coupez l'arbre et le détruisez », toutefois laissez en terre le tronc, ses racines, et liez-le avec des chaînes, des reins de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que sept temps aient passé sur lui. En voici l'interprétation, ô roi, et c'est la sentence du souverain qui va atteindre le roi, mon seigneur. On te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil et mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres, si ta prospérité doit se prolonger. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait sur le palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et le sens me revint. Et je bénis le souverain et je magnifiais et j'honorais celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle et dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qui lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu ?» En ce temps-là, le sens me revint, la gloire de mon royaume, ma majesté, ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je joue, j'exalte et je glorifie. Ah non, c'est pas ça. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. »